équipe qui va évoluer cette saison à un niveau qu'elle n'avait encore jamais atteint. C'est assez exceptionnel. Évidemment, il y a beaucoup d'attentes. Hein. Certains espèrent que l'équipe va jouer un peu mieux que le maintien, d'ailleurs. Quand on voit le niveau technique de ces deux équipes, on se dit que ça devrait être sympa, Pierre. Ouais, là-dessus, je m'en fais pas trop. Pour le reste, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le coup d'envoi du match donné par les joueurs de Chelsea. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Je vais découvrir les joueurs qui vont démarrer dans cette équipe de Chelsea. Alors, on découvre l'organisation mise en place par l'entraîneur aujourd'hui. Il va faire jouer son équipe en 5-2-3. Un schéma très défensif. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. Le Real Madrid, un tir lointain. Ah, il a bien failli marquer avec cette frappe longue distance. Fabregas. C'est finalement récupéré par le Real. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. C'est là, la frappe. Oh, c'est juste à côté. Ah, mais enfin, le défenseur est bienvenu. Ça a obligé le tireur à précipiter son geste. Toni Kroos. Cristiano. Les 30 derniers mètres. Là, le ballon qui est perdu. Victor Moses. Kanté. Un ballon qui sort en touche après ce bon tacle. Eden Hazard. N'Golo Kanté. Azpilicueta. On s'approche de la zone de vérité. Un bon tacle, il lui a pris le ballon. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est le phénomène absolu. Hein. Bon, ses gris-gris peuvent parfois agacer. Il lui arrive de se compliquer la vie, mais bon, c'est un régal de le voir jouer quand même. Et puis, quelle vitesse, quelle puissance, et surtout, quelle efficacité. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Chelsea sait qu'il va falloir redoubler d'efforts. Ah, c'était trop. Oh, le gardien sur la trajectoire! C'est un corner pour le Real. Un corner, le ballon. Le gardien qui boxe de ce ballon. Un petit peu pressé sur ce ballon. Marcelo. Casemiro. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Marcelo. Cristiano. Ça part bien, action dangereuse. Faute de Chelsea qui n'a pas échappé à l'arbitre. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais c'est n'importe quoi, c'est complètement manqué. Ah ouais, la moindre des choses, quand on tire un coup franc, c'est d'y croire un minimum quand même. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Marcos Alonso. Ça sera pour Morata. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Ouais, c'est le Real qui reste cette touche. Carvajal. Il passe qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Cristiano Ronaldo. Et l'arbitre. Allez, le tir de Karim Benzema. Ouais, c'est dommage, l'action était belle. C'était bien amené, c'est vrai. La défense a eu très chaud. Ouais, carton jaune hein, qui est arrivé de façon un petit peu tardive. Ouais, on sent que l'arbitre a hésité. Kanté. Victor Moses.
Pedro pour tenter d'exploiter ce ballon. Et Eden Hazard au second. Ah oui, l'arrêt-réflexe. L'arrêt-réflexe du gardien, magnifique. Ah, tout le monde le voyait dedans, ce ballon, mais finalement, non. Karim Benzema. Les Bleus qui essaieront peut-être d'enflammer le match avant la pause, parce que pour l'instant, c'est du 0-0. Allez, les Madrilènes qui s'emparent du ballon. Mateo Kovacic, il s'avance vers la surface. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Cristiano Ronaldo. Morata. Arbitre ouais, qui signale un hors-jeu. Kroos. Casemiro. Morata. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent. Attention, il ne faut pas les laisser jouer. Mateo Kovacic. Il avance encore. Il prend sa chance. Le gardien qui nous régale encore avec cette parade. Les touches pour le Real. Casemiro. Marcelo. Casemiro. Ils reprennent possession du ballon. On s'approche de la zone de vérité. Le ballon qui vient s'écraser sur le poteau. Là, cette action à nouveau. On est passé très près du but. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. La frappe. Pas de souci pour le gardien. L'arbitre a accordé 3 minutes de temps additionnel. Casemiro. Benzema. Karim Benzema qui s'est révélé à l'Olympique Lyonnais, bien sûr, avant de filer au Real. Oui, c'est là que ses talents de buteur lui ont permis d'être sacré champion de France 4 ans de suite, de 2005 à 2008. Chelsea qui se rapproche du but. Et la mi-temps. Les joueurs et les spectateurs qui sont prêts à Stamford Bridge pour le coup d'envoi de cette seconde période. Mais bon tacle, il lui a pris le ballon. Mateo Kovacic. Benzema. Benzema à la frappe. Et le dernier mot pour le gardien. Bonne passe de la tête. Kroos. On s'approche du but. Un ballon trop facile à reprendre finalement. Ah, il a pris sa chance de loin hein, sur cette frappe. Ah, ça passe assez loin finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème c'est que c'est super mal réalisé. Benzema. Karim Benzema qui au fur et à mesure de sa carrière continue quand même de s'améliorer. C'est vrai qu'il a énormément progressé, c'est sûr que disputer la C1 tous les ans ça aide. Mais il a su faire les efforts pour hisser son niveau de jeu. Il m'impressionne tous les ans en faisant preuve de régularité dans ses performances. Elle était bien placée pour intercepter. Attention à la frappe. La touche qui sera pour le Real. Casemiro. Carvajal. Toni Kroos. Mateo Kovac. Ouais, la tentative. Ouais, le bon arrêt là qui éloigne le danger. Ce sera un corner pour le Real. Le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Carvajal.
Fabregas qui vient chipper ce ballon. Et les défenseurs qui vivent un véritable cauchemar. Oh non, le but! C'était le bon geste à faire, mais c'est complètement raté. Contre son camp, il va falloir être costaud maintenant. Hein. Il faut absolument qu'ils oublient ce but casquette. Gareth Bale. Il y a 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Fabregas. Victor Moses. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent. Attention, il ne faut pas les laisser jouer. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Benzema. Oh, il a passé son adversaire direct. Willian, le gardien qui repousse. Il choisit la frappe. Ah, c'est raté. Ah, il aurait dû essayer de se mettre sur son bon pied. Un petit peu trop de précipitation. Fabregas. Cesc Fabregas. Karim Benzema. Il reste gros, hein. Il a déjà un carton. Ah là là, une nouvelle faute sanctionnée par l'arbitre, ça va faire mal. Eh ouais, jaune plus jaune, ça fait rouge. C'est simple, mais ça complique la vie. C'est un ballon pour Cristiano Ronaldo. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Il tacle. Allez, le centre maintenant. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. La balle pour égaliser. Oh oui, le but. Oh, l'égalisation. Oh, elle est méritée. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, cette équipe était menée au score, mais elle a très bien réagi. Cette égalisation est amplement méritée, vraiment. On voit toute la joie du défenseur après ce but. Oui, Hervé, des défenseurs qui marquent, ça arrive. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ouais, Cristiano Ronaldo qui va pouvoir y aller car c'est dégagé. Ah oui, parfaite la récupération. Victor Moses. Eh oui, il doit être plus malin, plus patient avant de faire son appel. Marcelo. Du Real Madrid qui s'approche du but. Kanté. Azpilicueta. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. La position de hors-jeu pour Karim Benzema. Sorti de Morata. Il touche pour le Real. Sergio Ramos. Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. Ouais, il prend sa chance. Oh, c'est au-dessus, c'est même très au-dessus. Chelsea qui se rapproche du but. Il gagne du terrain. Ouais, la frappe. Le gardien qui se détend parfaitement bien. La défense a eu chaud sur ce coup-là. Le gardien est resté très très vigilant, heureusement. Sergio Ramos. Mateo Kovacic. Ouais, peut-être. Ah, le bon ballon de Benzema. Ah non, ballon perdu. Ah, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Personne n'a encore fait la différence, plus que 5 minutes. Gareth Bale. Sa
ça part bien, action dangereuse. Willian, ah, il y est. Oh, il y est, qu'est-ce que c'est bien joué. Et qu'est-ce qu'il est important ce but. Les joueurs de Chelsea qui n'ont pas baissé les bras à Pierre et ce but qui vient récompenser leurs efforts. Oui, ils ont connu des moments difficiles, mais là, ils ont su se concentrer au bon moment, ils ont été récompensés. Oh, qu'il leur fait du bien ce but, Pierre, qu'il est important. Ouais, moralement, c'est super important. C'est bien de pouvoir accélérer comme ça en toute fin de match. Maintenant, il ne faut pas se griser non plus. Il y a un avantage à préserver. L'arbitre qui siffle contre Chelsea, faute. Bain. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. On s'approche du but. Oh, c'était extrêmement dangereux. Très bonne intervention. L'attaque de la dernière chance pour égaliser. Oh, le bon pied, je l'avais pour toi. Allez, vite, ils peuvent égaliser sur ce corner. Le tireur qui a visé. Sergio Ramos. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Qui libère les 22 acteurs de ce match. C'est terminé. Un début de saison rêvé pour cette équipe. Un premier match et déjà une victoire. Intéressant. Vos impressions sur le match de Willian, Pierre? C'est tout simplement lui qui a offert la victoire à son équipe. Il a fait basculer le match.